Amis viewers, bonjour et bienvenue pour les suites de l'aventure sur The Banner Saga 3. Donc là, Climax, elle a été sortie, elle a proposé aux Dredge de rentrer, ils sont rentrés et là c'est parti en couille. Les humains ont attaqué les Dredge ont attaqué les humains, je ne sais pas. J'ai pris certainement une lance dans la gueule. Je sais pas si elle était morte, si elle est en vie, j'en sais rien. Vous trébuchez en pleurant et finissez à l'endroit où le corps est étendu. Votre esprit répète en boucle, c'est de ma faute. Comme le mouvement incessant des vagues qui s'écrasent sur la berge, c'est moi qui les ai tués. Qui a tué qui ? La bannière se trouve à côté d'Alette. Vous l'enroulez autour d'elle comme une fronde, repoussant son visage sans vie de votre esprit. Sérieux ? Non. Des larmes coulent sur votre visage. Vous la traînez frénétiquement à travers la fureur des combats, comme s'il n'avait pas lieu. Un coup soudain à l'arrière de votre tête vous aveugle. Étourdi, vous vous levez. On vous tire par la cape. C'est Petrus. Ses gardes sont éparpillés et submergés. La foule charge comme une bête sauvage. À proximité, un varl fait tomber son bouclier sur la tête de quelqu'un. Des cris des centaures résonnent au loin. Une odeur de fumée se répand dans l'air. Des épées essaient de vous pourfendre. Vous sortez d'une petite allée en sang. Nous avons besoin de Zeph. Vous pleurez en tirant le corps toujours présent dans la bannière, mais vous savez qu'il est déjà trop tard. La violence se répand plus profondément dans la ville. Des émeutiers détruisent des portes et des corps jonchent les rues. Certains d'entre eux sont très jeunes. Il n'y a pas de remède à ça, se lamente Petrus. Aberrang est brisé. Putain. Non. 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 Vous trouvez Zeph près du donjon, où elle prépare les maniens. Elle se retourne à votre approche. Capitaine Petrus, j'ai dit à tout le monde d'arrêter de se battre. Mon ami est gravement blessé, vous devez l'aider. Fais quelque chose, s'il te plaît. Le garde de pierre, vous ayant rejoint après les portes, transporte le corps. Il se penche pour le montrer à Zeph. Zeph remue la tête. Je suis désolé, même les Valkas ne devraient pas s'en prendre mort. Comment est-ce arrivé ? Nous avait quittés. J'ai essayé de te le dire, si seulement tu étais resté. Beaucoup d'autres vont mourir dans l'obscurité. Écoute attentivement, j'ai mis en place un bouclier de lumière qui retient l'obscurité, mais sa portée est limitée. Avec l'aide des maniens, nous arriverons peut-être à encercler tout Aberrang. Il faudra donc les positionner de manière régulière le long des murs. Si des fous courent les rues en tuant à tout va, je vais m'assurer que cela n'arrive pas. Odleif, je vais faire mettre Alette en sécurité, juste le temps que nous puissions rendre hommage dignement. Vous hochez la tête d'un air apathique. Putain, je suis dégoûté. Combien de temps peux-tu maintenir ce sort de lumière, Valka ? En supposant que le plan fonctionne, peut-être que si nous nous reposons à tour de rôle, pendant quelques jours, cela dépend de nos réserves de nourriture, il faudra également empêcher les difformes de massacrer nos maniens. Ils m'ont dit que tu as vaincu un cendre, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Que veulent les difformes à Aberrang ? Pour autant que je sache, seulement la mort et la destruction irréfléchie. C'est pour cette raison que je voulais des dredges à l'intérieur des murs. Et les autres Valka, Juno et Vind, peuvent-ils arrêter tout ça? Nos chemins se sont croisés, ils ont continué vers l'obscurité. S'ils vont là où je pense, s'ils arrivent à destination, il y a de l'espoir. Mais rien de tout cela ne compte si nous n'arrivons pas à placer les maniens en sécurité sur les murs. Putain, Alette est morte quoi. C'est fou. C'est juste dingue. Donc déjà Roux qui est mort. Bon,
Allez, admettons, fallait choisir un des deux. Mais Alette, je lui ai mis tellement de points de renommée dans sa gueule en plus. Vous menez un groupe de maniens de Zephre vers les portes où les combats sont les plus intenses. Cette zone doit être sûre et permettra aux maniens de former un anneau impénétrable autour d'Aberang. Vous vous lancez donc dans la mêlée. J'ai tellement pas envie. Les hommes combattent les dredges, les hommes combattent les hommes. La bataille s'enroule autour de vous tel un feu de forêt jusqu'à vous y engouffrer malgré vos tentatives désespérées d'y échapper. Torse nu, un homme se précipite sur vous en hurlant comme un damné, mais un colosse l'écrase dans la poussière d'un coup de son lourd gourdin en pierre. Le garde de pierre vous fixe. Au-delà de vous, des hommes ensanglantés vous encerclent, tels des charognards, hurlant des insultes. Traître, affameur de corbeaux. Le garde de pierre hoche la tête pour montrer qu'il a compris. Il semble aussi vous reconnaître. Rempart, gardien de pierre. C'est tellement... Ah là 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 là. Quoi? Bien. Non, mais elle va ressusciter, hein? Ah oui. Non, je pense qu'elle va ressusciter. Oh! Ils ont que réparation. Ouais bah... Ah, faut pas oublier que je suis en pleine dépression après avoir perdu Alette. Allez, après tout, faut bien qu'il bosse un peu aussi. Hein. Sérieux?
essayer de bloquer un peu le passage, mais bon. Et merde. Oui, il reste un point de vie. J'ai quoi comme attaque avec lui? On va venir se mettre ici en opposition. Je vais essayer de réparer son armure, mais ça va pas être fou. Hein. Ok, 7 points de dégâts, on résiste. Casse, loin, très loin. Merde. Oh. Et ça déconne pas, hein, ça déconne pas. Merde, je peux taper sur personne avec lui? Qui de jouer là? Ok. Ok, ça devrait passer. Putain, c'était chaud. Ah, oh, lui, il a perdu Alette. C'est tellement la tristesse. Arts martiaux mixtes, plus 5. Je sais pas ce que c'est. Victoire, ouais, victoire si tu veux. Faites monter ces maniens sur les murs. Petrus hurle désordre à ses gardes et tenez tout le monde à distance. Le garde de pierre vous suit tel un chiot perdu, faisant fuir les combattants des murs. Les gardes de Petrus escortent les maniens agités jusqu'en haut, comblant le trou. Zephyr s'élève du sol grâce à une bourrasque de vent. Il vole pour les rejoindre. L'obscurité atteint les murs craquelés et s'infiltre au-dessus d'eux. Les formes iniques gloussent et rôdent de l'autre côté, juste en dehors de votre champ de vision. Maniens, hurle Zephyr, maintenant.
La caravane tombe silencieusement dans l'obscurité absolue jusqu'à ce que vous perdiez tout sens du temps et de l'espace. Avant que les hallucinations et la folie ne s'installent, vous avez senti le toucher de Juno vous envelopper dans un état de sommeil, vous protégeant du pire. Maintenant, la faible lumière révèle enfin le sol qui s'approche, comme une île émergeant d'une mer de minuit. Personne ne parlait de la mort de Folka à ce moment, mais son souvenir vivait aux côtés de tout le monde. Toucher le sol, c'est comme passer à autre chose. C'est comme si vous n'aviez jamais marché auparavant. Voici la terre intérieure, annonce Juno, à tout le monde. C'est une grotte, grommela Holly. C'est pas terrible. Dans l'obscurité, Juno semble absolument fantomatique. Elle vous invite à la suivre. Réservez votre jugement jusqu'à ce que nous émergions. Ah, par contre là, faudrait courir en fait, hein, parce que c'est game over dans 19 jours, quoi. La lumière du manien joue avec les rochers. Les ombres dansent à travers les arêtes vives et les cavités distendues. Oh, et quelqu'un soupire, s'excusant presque. J'ai peut-être un problème. Ditch est assis sur le sol, il semble avoir perdu une jambe. Mais en y regardant de plus près, elle a été engloutie par un trou profond et étroit. Le sol en est criblé comme un récif de corail. Aïe, poursuit-il, ouch, aïe. Mais Holly pose sa main devant sa bouche, vous entendez tous comme un raclement sur la pierre, à travers la pierre. Non, c'est à l'intérieur, il est dans... sa jambe est dans la bouche d'un truc, en fait. Traînez Ditch hors du trou le plus vite possible. Ditch crie et son sang s'écoule dans le trou comme dans un siphon. Oh merde. Vous vous attendiez à voir un moignon, mais au contraire, il a en réalité une plaie creusée dans sa jambe par les pierres coupantes. Il est probable qu'il survive. Bouclier, criez-vous, alors que les créatures sortent de l'obscurité. Ouais. Ditch, bah voilà, blessé, bien sûr. Disponible, je suis déjà niveau max, gros. Alors, tourbe l'échine, coup à la carotide. Et esquiver, voilà, confirmé, c'est terminé pour hiver. C'est cool. Puis les autres, je sais pas, on peut les perdre tous à un moment ou à un autre. Hein. Bah, ceci dit, Alette étant morte, rien ne nous dit qu'hiver restera jusqu'à la fin. Souffre en silence, Ditch. C'est bien dit. Bon, à mon avis, faut pas s'approcher des trous. Hein. Qui c'est que ça? Qui c'est que cette merde? Il y a un truc sous moi. Là, j'ai utilisé mon skill pour que Crumb puisse agir avant les autres. D'accord, c'est juste qu'il est immobilisé en fait. Ok, c'est pas grave. Je pensais que c'était un... Genre j'allais être absorbé dans le sol, vous voyez. Donc j'ai préféré prendre les devants, mais c'était une erreur. Il était juste immobilisé, c'est pas très grave. Donc là je balance l'ours pour absorber quelques coups.
Non mais ça c'est chiant par contre. Ça prend des heures d'animation. Ça va, ça vient, ça me saoule. Accessoirement, ils vont dans les trous, ça leur fait rien. Oh, il est déjà mort. Il y avait pas de coin pour le sortir, il était voilà. Il est condamné à rester ici et à crever comme une merde. En fait, il est en train de leur péter l'armure pour les monter en force. C'est risqué, mais ça va être payant. Bah, ça peut l'être, quoi. Ils vont plus avoir d'armure, mais beaucoup de force. Ce qui fait qu'ils nous mettent des grosses tatanes à 12, quoi. Et ça, c'est un petit peu la violence, quand même. C'est un petit peu la violence, ça. Bon, lui, il préfère se barrer. Il va taper sur qui? La Valka, peut-être? Pas la sorcière. Ah ouais, mais non, mais leur sort est trop puissant. Waouh. Non. Il a transformé l'ours en bestiole ou c'est une coïncidence? J'avais 80% de chance de le tuer. Merde, il continue à emporter son sort lui.
Waouh, ah ouais, 3 points de vie en plus là. Là ça déconne plus quoi. 80% sérieux. Mais il a plus d'armure. Ah, j'ai Eric devant moi, pardon. Ok. Oh la vache, 22 points de dégâts, mais pff, c'est pas sérieux. Oui. Allez, arrête d'incanter toi. Lui, il peut plus rien nous faire avec ses 2 points de force. Je pense qu'il est fini. J'ai pas réussi à cancel son incantation par contre. Avance, putain! Ouh! Bon, il a aucune chance contre moi. C'est Hiver, le destructeur. La montagne. Bon, il faut qu'on XP toute cette armée là. Une odeur aigre emplit l'air, un acide vomi par les choses qui creusent. Les guerriers se vantent des batailles difficiles qu'ils ont livrées, mais personne ne se vantera de celle-là. Tu m'étonnes. Je le regrette déjà, dit Valgar en examinant un tentacule flasque. Courage, répond Juno. On verra des choses bien plus étranges avant d'avoir fini. Super. Ouh, j'ai hâte. Cette grotte est la seule entrée qu'utilisent les Valkas. Les Valkas viennent souvent en fait. Chacune des tours du nord est une entrée différente vers la terre intérieure. Cela avait l'air un peu différent avant les ténèbres. Ah, il y a de la lumière là. C'est quoi ça? La tour blanche se tapit au loin, frêle dans l'immensité de la terre intérieure. La marche à venir vous fatigue d'avance. Cette tour est notre seul but maintenant.
Ce truc se voit comme du sang sur la neige. Il n'y a rien à faire ici, n'est-ce pas? Non, il a été construit par les Valka. C'est là qu'Evin et moi allons défaire cela. C'est quoi, hein, c'est quoi cet énorme dôme derrière? Ouais, un soleil déchu. Et quand comptez-vous expliquer tout ça? Il se peut, à un moment, que je n'ai pas le choix. Ce n'est pas le cas maintenant. Ce ne sera pas une conversation courte ni heureuse. En parlant de malheur, j'imagine que la perte de Folka est un terrible revers pour les corbeaux. Il peut être sage d'essayer de garder leur morale au beau fixe. J'ai bien peur d'avoir une chose à t'apprendre. En tombant, j'ai senti un changement. Arberang. Alet est-elle en sécurité? Leurs jours sont comptés, nous n'avons plus le luxe de ne pas savoir. À chaque jour que nous perdons, Aberrang risque de tomber. Assez parlé alors. Ouais. Ah, c'est passé en mode compte à rebours, je crois, non? C'est ça, c'est ce putain, compte à rebours de merde. Ah, ça va me stresser. La caravane se déplace lentement pendant un compte, prenant en compte l'étrangeté du lieu. Vous vous demandez à quoi cela ressemblait avant l'obscurité. Ditch trébuche dans ses propres pieds, une fois de plus. Je pensais que tu étais le type discret ici, murmure Spar. Ne faisons guère mieux. Evin secoue la tête. Vous n'avez pas l'habitude d'être ici, ça va passer. Vous ignorez les chamailleries qui suivent, tout le monde semble un peu irritable. D'autres se plaignent de vertiges et de nausées et jurent que le sol tourne jusqu'à ce que vous soyez forcé de vous arrêter. Spar sollicite un nouveau chapeau. Marchez, ça ira mieux. Ah, on peut pas perdre de temps. Les corbeaux jurent et râlent, se demandant qui vous a fait roi. Mais ils encaissent quand même le coup. Ce sentiment finit par passer, contrairement à leur mauvaise humeur. C'est pas grave. Ah, c'est grave, mais c'est pas grave. Le moral est toujours au beau fixe, hein. On avait une certaine avance. Bonjour. Tu me parles? Bon sang, à chaque fois, je dois apprendre à mieux me présenter. Ditch continue à marcher, trébuchant dans sa propre maladresse au fur et à mesure qu'il avance. Bref, écoute-moi, ça va sembler bizarre, mais je deviens un peu fou, enfermé avec ces gens. Je vois ça. Et tout le monde me menace de mort si je ne le laisse pas tranquille. J'ai pensé rejoindre les corbeaux, pourquoi pas? Ou peut-être, où peut-on être plus en sécurité? Regarde ça, c'est l'endroit le moins sûr. Ouais. Je sais, je suis censé être le type calme, hein. Tout le monde pense que je suis discret. Eh bien, tu vois, je suis discret parce que personne ne me remarque. Ça ne t'agace jamais d'être ignoré tout le temps? Non, ce n'est pas... Je parle beaucoup quand je suis nerveux. Je déteste cet endroit. Je déteste être coincé dans cette bulle comme un poisson. Les poissons ne sont pas coincés dans des bulles. Ditch continue à bavarder pendant que vous marchez. Et je savais qu'il se passait quelque chose la première fois que je volais. C'était des fruits. Comme un panier plein de fruits, et le panier, c'est la seule raison pour que quelqu'un remarque qu'une tonne de fruits a soudainement disparu. Donc le colporteur de fruits appelle la garde. Colporteur de fruits, peu importe. Bref, le garde passe juste devant moi. Il me heurte l'épaule et ne se retourne même pas. Il y a des gardes qui courent tout autour de moi, qui arrêtent d'autres. Ils ne me regardent pas alors que je tiens le panier de fruits. C'est un peu insultant quand même. C'est à cause de mon visage, je ressemble à un lépreux ou quoi? Mais maintenant, je me demande ce que je pourrais faire d'autre. Prendre des bijoux, dormir dans le donjon royal, tuer des gens? Il s'avère que je m'en suis tiré malgré tous ces meurtres. Ditch continue à bavarder pendant que... Des centres d'intérêt. Par les dieux, 15 ans maintenant, si vous comptez mon passage au théâtre régional, difficile de trouver du travail dans le théâtre. Toujours dans le fond, pas vrai? C'est pas une surprise. J'ai fait beaucoup de menuiserie pour eux en fait, beaucoup de meubles. Le secret, c'est de frotter du vinaigre sur le bois. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté et que j'ai commencé à travailler à mon compte. Le seul argent honnête que j'ai jamais gagné, c'est en vendant une chanson que j'ai écrite sur le poulet. Ditch continue à... Je l'ai tué après, je l'ai pourchassé et poignardé au visage. Personne ne m'a appelé culbute depuis, mais maintenant que je suis coincé des mois en mer sur un bateau. Il se passe plein de choses horribles sur ces vaisseaux, je peux vous le dire. La débauche. Ça m'a fait réfléchir à deux fois avant de me dévêtir complètement lorsque nous sommes arrêtés à ces sources chaudes. Je l'ai fait quand même, mais tu vois de quoi je parle. Ditch continue à... Et j'ai l'impression qu'il me trouve flippant, s'il me remarque. Et là, elle panique car il faut ramener toutes les chèvres dans leur enclos, tout le monde cherche. Puis son mari a commencé à me crier dessus, monstre, monstre gros nez.
On devrait peut-être se calmer. C'est violent, tu es au courant? As-tu déjà entendu quelqu'un te traiter de monstre? Monstre! Le dernier cri résonne de façon perceptible. Peu de temps après, vous apercevez du mouvement. Les corbeaux maudissent Ditch en tirant leurs armes. Pourquoi est-ce de ma faute? On brille comme pour la fête du soleil ici-bas. Arrête de crier, Ditch. Ok les amis, je vais vous laisser là pour cet épisode en espérant qu'il vous ait plu. On va se reposer, on peut pas se reposer avant le combat, mais on va, je sais pas ce qu'on va faire, on est dans la merde. Des bisous, à demain, abonne-toi.